vous allez rater quelque chose quand même. Parce qu'il pratique l'art post-zen sous diverses formes. La musique industrielle, la sculpture des déchets, l'arrangement floral, le théâtre martial, l'animation numérique, la poésie, enfin bon, etc., etc. Il est, parallèlement à sa carrière professionnelle, actif comme auteur-compositeur. Passionné d'orgue à tuyaux, il est nommé par défaut depuis 2010 organiste titulaire à Notre-Dame de Tagissart, où il joue chaque dimanche à la messe, bien qu'il soit bouddhiste. Mais en ce qui concerne sa musique, je crois que cet ovni, vous allez le découvrir par vous-même, parce que difficile à expliquer ce qu'il fait. Mesdames et messieurs, Geiger Neutrino.